Bonjour tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous montrer quelque chose parce que beaucoup disent Jésus-Christ dans la bouche. Ok? Mais du cœur, Jésus-Christ n'est pas là. Okay? La parole dit dans Matthieu 15, verset 8, ce peuple dit Dieu m'honore en parole. Mais de cœur, il est loin de moi. Ce peuple dit, m'honore. Ce peuple dit, ok, ce peuple dit Dieu, m'honore en parole, mais de cœur, il est loin de moi. Donc, souvent, je les appelle Jésus dans la bouche et Jésus n'est pas dans le cœur. Souvent, quand je veux parler de ces genres de personnes, ok, donc on va voir. Qui c'est réellement? Ok? La parole dit ici, je vais lire la parole et puis avant de continuer avec la vidéo. La parole dit ici dans Exode 20, verset 12: honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. D'honorer son père, de respecter son père et sa mère. Voici quelqu'un qui prononce le nom de Christ dans sa bouche et qui ne connaît même pas. Ok? Quelqu'un qui est en train de juger sa maman. Ne traitez jamais votre mère de sorcier ou sorcière. De votre père ou votre mère. De votre père de sorcier ou votre mère de sorcière. Ne faites jamais ça. La parole dit d'honorer. Et vous savez, c'est une grave malédiction qu'elle a. C'est qu'elle est en train de faire. Et en voyant ses enfants rire, ça veut dire qu'elle a empoisonné elle-même ses enfants. Ça dépend de ce que tu dis aux enfants. Hein. Si tu dis votre grand-mère, là, c'est une sorcière. Ben, ça fait pitié, quoi. Quand tu vois ça, ben, ça fait très mal. Je suis tombée dessus ce matin. Et comme elle dit Jésus, le nom de Jésus, là, c'est pour cela. Je veux lui parler si jamais elle tombe sur cette vidéo pour dire que Jésus est dans sa bouche, Jésus n'est pas dans son cœur. Elle doit faire la repentance et aller demander pardon à cette maman. Si elle peut un jour tomber sur ma vidéo, ça, c'est mon message pour elle. Ok? Donc, je vous laisse visionner la vidéo. Ce sont ces enfants qui rient. Ils sont en train de rire. Elle est en train de la pousser là-bas. Les gens avec dans leur connerie comme ça, qui pensent tellement bien agir que elle dit cette vidéo parce qu'elle pense que ce qu'elle est en train de faire là, c'est du bien. Jésus-Christ te dit de respecter ton père et ta mère, de respecter cette dame-là. C'est tout ce que tu as à faire. Ne faites jamais ça à votre mère. Et si jamais tu as une fois fait à ta mère, va lui demander pardon. Va demander pardon à ta mère ou ton père. Vous qui faites ça. Où est le respect? Où est le respect de la maman? Où est le respect? Où est l'honneur? Oui, je le méchant, je l'appartement.
Parce que la piste qu'on est. Pourquoi d'être l'homme? Pourquoi d'être l'homme? Pourquoi d'être l'homme? Elle veut verser. Je ne sais pas si c'est l'eau bénite sur sa maman pour la délivrer. On ne fait pas ça. Tu veux bénédiction, il faut respecter la maman. Elle cherche bénédiction. Tu ne peux pas avoir ma chair. C'est pas comme ça on reçoit bénédiction. Vous voyez ces enfants? Elle a tellement empoisonné les enfants. Ou pas bon? Ne faites jamais ça, même si c'est votre tante, si c'est pas quelqu'un de votre famille, ne faites jamais ça à un être humain, jamais. Une personne âgée, ne faites jamais ça, ne faites jamais, ne traitez jamais une personne âgée de cette façon. Ne faites jamais ça. Il y a trop de mauvaises choses dans ce monde. Tu fais du bien à ta maman. Et lorsque son cœur se réjouit du bien là, elle peut te bénir. Sinon, ça c'est la malédiction qu'elle a. On ne peut pas te bénir. C'est la malédiction. Fais pas ça à quelqu'un. Ne faites jamais ça. Une personne âgée. Elle fatigue la vieille comme ça pour rien. Ouais, Jacqueline dit méthode à longtemps. Et parce que ce qui fait un bien bon, je vous donne un avant. Yes. Maman, ou pas, vous ne pouvez pas vous faire la caillou. Ça vous donne la caillou. Jacqueline. Ok, que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça là. Il y a des choses dans ce monde là, vraiment. Vraiment, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.